Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette soirée Unipop tout à fait exceptionnelle. Alors exceptionnelle bien sûr en raison du film qui sera projeté, en raison de l'invité qui va être accueilli tout à l'heure, mais aussi parce que nous sommes en direct avec 43 cinémas ce soir. Alors, on va commencer, d'habitude c'est dans l'autre sens, mais puisque c'est une sortie, le film est à l'affiche, donc le Grand Prix du dernier festival de Cannes, donc la zone d'intérêt de Jonathan Glazer, on va lancer la projection et ensuite nous aurons le plaisir d'accueillir notre intervenant qui est un habitué de l'Unipop Histoire en particulier, puisqu'il est maître de conférence donc à l'université Bordeaux-Montaigne, qu'il a été ancien élève à l'école normale supérieure de Lyon, qu'il est bien évidemment spécialiste de l'histoire de l'Allemagne et particulièrement de l'Allemagne de 1914 à 1945. Et il a notamment publié « La catastrophe allemande » aux éditions Fayard en 2014, « Kruger, un bourreau ordinaire, chez Fayard également en 2017, et enfin « La grande guerre vue d'en face » chez Albin Michel en 2016. Alors, Nicolas Patin n'est pas encore arrivé, il va arriver tout à l'heure à la fin de la séance. C'est un habitué de l'Unipop, comme je l'ai dit. Ces Unipop sont proposés pour la plupart, en tout cas pour les dernières, sur le net, hein, sur YouTube, et c'est un succès considérable, tout à fait exceptionnel. Je crois que c'est parce que les gens apprécient énormément sa façon d'expliquer l'histoire. Donc j'imagine que ça sera encore le cas ce soir. Donc je vous souhaite une bonne projection et une bonne conférence à Nicolas Patin tout à l'heure. Merci François. Que vous ayez vu le film il y a une semaine, il y a cinq jours ou à l'instant, on va prendre deux, trois minutes pour respirer, pour redescendre, parce que c'est aussi bien une œuvre expérimentale très forte, qui artistiquement ne laisse pas du tout indifférent, qu'une œuvre historique, on va le dire très simplement, d'une grande puissance. Et je vous avoue que j'ai eu la chance de voir le film grâce au Jean Eustache en séance personnel, individuel, seul, en décembre. Et j'ai bien mis deux semaines à méditer, à m'interroger sur tout ce que j'avais vu. Parce qu'effectivement, dans la conférence que je vais vous donner, on va essayer de s'interroger sur les faits historiques, c'est une chose. Et donc moi, je suis maître de conférence en histoire contemporaine à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste du nazisme. Mais on va aussi, dans le temps de questions, prendre le temps de s'interroger, de prendre vos questions qui ne vont pas, à mon avis, manquer, puisqu'on a déjà fait une séance scolaire vendredi dernier et où les lycéens du lycée Magendy ou du lycée Hôtelier de Talence avaient de très nombreuses questions. Et c'était vraiment un débat intéressant. Alors moi, je vais vous parler pendant une petite quarantaine de minutes. Comme ça, ça nous laissera une bonne vingtaine de minutes, voire un peu plus si on a le droit de dépasser. Et évidemment, je termine cette courte introduction en disant que je suis vraiment très content d'être devant vous toutes et vous tous, c'est assez impressionnant, mais qu'il y a aussi 43 cinémas en direct et en retransmission, donc je salue derrière l'écran l'ensemble des gens qui sont à Andernos, en Nouvelle-Aquitaine, etc. Et c'est vraiment ce dispositif mis en place par le Jean Eustache qui est vraiment un plaisir, et on est tous très souvent très contents d'être ici. J'aurais pu vous parler, et ce sera l'objet de ma dernière présentation feuille de PowerPoint, j'aurais pu vous parler de dizaines de choses, parce que ce film regorge d'informations essentielles, de moments clés, et il a fallu que je fasse des choix, parce que je me suis dit que le meilleur moyen, c'était tout simplement d'aller vers les questions centrales posées par le film, pour qu'ensuite on puisse rentrer dans les choses dont j'aurais pas eu le temps de parler. Et donc je vais vous proposer tout simplement deux choses. Alors je vais éviter de me déplacer trop souvent, mais voilà, les bourreaux nazis et la Shoah, une histoire de haine et d'indifférence, et ça va être vraiment mon leitmotiv, en sachant que, contre toute attente, je vais vous faire un plan en deux parties, mais centré tout simplement sur le camp de Auschwitz et sur la figure des bourreaux, parce que je pense que c'est un des éléments les plus importants du film. Juste pour la genèse du film de Jonathan Glazer. Jonathan Glazer s'est inspiré du livre que vous voyez ici, donc The Zone of Interest,
un roman publié en 2014. Alors, ne l'ayant pas lu, je ne vais pas le vouer aux gémonies, mais ayant lu toutes les critiques écrites sur le livre, a priori, c'est assez mauvais, c'est-à-dire que c'est l'histoire d'un triangle amoureux entre Rudolf Höss, le commandant du camp de Auschwitz, sa femme et une tierce personne. Et donc Jonathan Glazer, ayant lu le livre, s'en est servi uniquement comme argument. Ce qui l'a choqué, interrogé dans le livre de Amis, c'est tout simplement cette maison du commandant de Auschwitz, directement à la bordure du camp de Auschwitz 1, et cette question de la proximité du crime. Donc ce livre, vous pouvez le lire, hein, je ne le critique pas, mais en tout cas, Jonathan Glazer le dit lui-même, il lui a plutôt servi d'argument. Et Glazer est un réalisateur assez à part, dans la mesure où il a fait un certain nombre de films, très peu en fait, depuis Under the Skin, que vous avez peut-être vu. Moi j'avoue, je n'ai vu que ses vidéoclips, notamment pour le groupe Radiohead ou pour le groupe Uncle, qui parle peut-être pas à tout le monde. Et vous me voyez arriver, quand on dit qu'un jeune réalisateur qui a très peu de films au compteur, qui fait des films pour, et des clips vidéo pour des groupes de rock, que ce réalisateur-là va affronter le sujet de la Shoah, bah, évidemment on se pose des questions. Et à mon avis, Glazer a réussi à atteindre, d'une certaine manière, dans les différentes représentations cinématographiques de la Shoah, vraiment cet apogée de ces deux films derrière moi. Il y en a d'autres. On a vu Nuit et brouillard, on a vu évidemment d'autres films plus populaires, comme La liste de Schindler ou le film de Roberto Benigni. Mais en l'occurrence, Shoah de Lanzmann, qui a évidemment adoubé le film de Glazer, et ce film que vous avez peut-être vu, qui est pour moi, et pas que pour moi, le miroir de la zone d'intérêt, à savoir Le fils de Saul de Laszlo Nemes, qui étaient des films très importants. Et à mon sens, Glazer fait un tour de force, reconnu par le Festival de Cannes, qui est de dire qu'il réussit à s'inscrire dans les plus grands, dans cette indicibilité du génocide, grâce à une forme qui, à la différence peut-être d'autres films, s'inscrit dans du cinéma expérimental. Donc voilà pour la présentation du film. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de revenir sur le fond et sur les questions que ça pose. Et je suis resté vraiment très simple dans ce que j'ai à vous dire, c'est-à-dire vraiment, que ne voit-on pas, puisqu'on ne voit pas Auschwitz ? Qu'est-ce qu'on devine ? Et le film laisse suffisamment d'indices tout de même pour que je vous apporte une idée simple, qui en fait vient de l'historiographie la plus récente, à savoir, Auschwitz est un camp qui est la règle de l'extermination des Juifs d'Europe, mais il est aussi une exception. Et en fait, il faut comprendre que Auschwitz nous montre beaucoup de choses, mais Auschwitz nous cache aussi certaines choses, puisqu'il recouvre de la mémoire européenne l'ensemble des autres formes de tuerie. Donc je voudrais vous en dire un mot rapide. Mais je vais plutôt insister sur la question des bourreaux, parce qu'à mon avis, le tour de force de ce film, et évidemment vous l'avez vu, en filmant ce quotidien de Rudolf Höss, de sa femme, des bourreaux du camp de Auschwitz, c'est de nous interroger sur ce crime, les motivations des bourreaux, et au-delà de ça, une question de l'universel derrière, j'y reviendrai à la fin. Alors d'abord, sur Auschwitz, effectivement, je vous dis que Auschwitz est un camp règle, mais qu'il est un camp exception à la règle, pour une raison simple. Auschwitz, c'est comme un précipité de toutes les autres formes de tuerie qui ont existé en Europe. Et en même temps qu'il est ce symbole, d'une certaine manière, il écrase tout puisqu'il nous empêche de voir le reste. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans le film et ce que je veux vous dire, c'est qu'à Auschwitz, c'est trois logiques qui se rencontrent dans un lieu. Et on les voit dans le film. À Auschwitz, c'est d'abord et avant d'être un centre de mise à mort, avant d'être ce qu'on appelait il y a encore 20 ans un camp d'extermination, ce qui n'est pas propre, je vais vous expliquer pourquoi, il ne faut pas le dire comme ça. Mais avant d'être tout ça, à Auschwitz, c'est un camp de prisonniers. C'est-à-dire que c'est un camp de concentration. Et concentration ne veut pas dire tuerie, concentration veut dire ce que ça veut dire. On concentre des gens dans un endroit, dans une logique qui est une logique sécuritaire. D'ailleurs, c'est intéressant de se dire pourquoi ce lieu, à quelques kilomètres, à un certain nombre de kilomètres à l'ouest de Cracovie, pourquoi ce lieu à cet endroit-là ? Bah, tout simplement parce qu'à Auschwitz, c'est avant à Auschwitz. À Auschwitz, c'est déjà un lieu, si vous voulez, de stockage, vous le dites comme vous voulez, mais c'est un lieu où les bâtiments existent déjà et qui sert, à partir de la Première Guerre mondiale, à accueillir des exilés polonais. La Pologne a longtemps pas existé au XIXe siècle, elle est née de ses cendres en 1918, et il y a évidemment énormément de migrants dans cette zone-là. Et en fait, pourquoi Auschwitz ? Je pense qu'un certain nombre d'entre vous y sont allés. Tout simplement, ça ne se voit pas quand on y est, mais c'est exactement à la confluence entre une ligne ouest-est qui va de Wrocław, Poznan,
jusqu'à Lvov en Ukraine, et la ligne, si on veut, Vienne, Prague, Cracovie, Varsovie. C'est-à-dire que c'est pile à la confluence d'un réseau ferroviaire et d'un réseau de fleuves. Et donc, dès ce moment-là, à Auschwitz, qui n'est qu'un petit camp de transit en Pologne, est un endroit nodal où vont pouvoir circuler beaucoup de gens. Quand la guerre éclate, les nazis conquièrent la Pologne très rapidement, ils repèrent le potentiel de ce site. C'est-à-dire qu'ils voient ces baraquements qui sont déjà construits et ils vont y installer le camp de Auschwitz 1, qui est celui que vous voyez pendant tout le film. Et je vous ai mis en rouge ici, le numéro A, cette fameuse maison du commandant d'Auschwitz. Vous voyez que d'une certaine manière, et Glaser n'a pas menti, il a passé quasiment 10 ans à se documenter pour le film et sur la Shoah. Donc, dans le dispositif, ne serait-ce que immobilier, il recrée cette proximité du camp de Auschwitz 1. Ce camp est un camp de prisonniers polonais. D'accord ? C'est-à-dire que sa fonction est une fonction sécuritaire pour enfermer les résistants polonais, voire tout polonais qui sortirait de l'ordre allemand. Et attention, Auschwitz n'est pas à l'époque dans la partie coloniale polonaise qu'on appelle le Généralgouvernement. Et cette zone-là est rattachée à l'Allemagne. Elle fait partie du Reich, ce qu'on appelle Altreich, le vieux Reich. Elle est à la bordure est de ce Altreich. De ce point de vue-là, Auschwitz est avant tout une prison. Et pour celles et ceux qui l'ont visité, on voit cet univers carcéral dans les grands baraquements qui se succèdent dans cette zone-là. C'est sa première fonction. Dans le film, on le devine. Quand on voit évidemment d'abord les uniformes, les voix gutturales qui s'élèvent du camp, et puis question que m'ont posé les élèves la semaine dernière, c'est coup de fusil, puisque évidemment, un des artifices artistiques de Glaser, qui ne filme qu'en hors-champ, en fait, il est sur son objet, extrêmement précis, le quotidien de la famille du camp, et tout ce qui est du crime, tout ce qui est de l'assassinat est hors champ. Par contre, la bande sonore a dû vous frapper, que ce soit du point de vue musical, avec ses pièces très rares, il y a peu de musique finalement dans le film, et très impressionnante, mais surtout avec la sonorité, des cris en allemand, des coups de fusil, et ce moment d'un cadrage très près sur une fleur, où là, effectivement, on entend la bande sonore reprend le dessus. De ce point de vue-là, ça a beau être un camp de prisonniers, c'est un camp de prisonniers nazi où il n'existe aucune règle de défense, de sécurité, ce serait absolument fou, des prisonniers. Et donc ces coups de fusil, ils sont, si on veut répondre en fact-checking, faisons notre travail d'historien, ils sont réalistes. 80 coups de fusil par jour à Auschwitz, c'est le cas, pour des prisonniers qui, dès qu'ils s'élèvent contre la hiérarchie des capots ou des SS, sont assassinés froidement. Donc là, on est dans ce camp de prisonniers. Mais à Auschwitz, c'est pas que ça. À Auschwitz, c'est aussi, deuxième point, c'est aussi un camp de travail. C'est peut-être l'aspect qu'on voit le moins bien dans le film et qu'on connaît peut-être le moins aussi dans la mémoire de la Shoah. C'est un camp de travail parce qu'il y a tout simplement Auschwitz III, qui est le moins connu quand on évoque Auschwitz, c'est Auschwitz-Monowitz. Vous avez ici une carte prise en 1944 de l'installation. On est à l'est de Auschwitz 1. Souvent, quand on visite Auschwitz aujourd'hui, on ne va pas jusqu'à Monowitz. Et vous voyez écrit en allemand, il me semble, que c'est, alors ça pourrait être d'ailleurs, non, c'est en anglais, Bunawerke, c'est-à-dire les usines de fabrication du caoutchouc de synthèse. Se sont installées à cet endroit-là, avant même les premières exterminations des entreprises allemandes, notamment Ligé Farben, c'est l'équivalent de Rhône-Poulenc en France, c'est une fusion, un concern d'industrie chimique, et ils vont employer, en le sachant, des esclaves de Auschwitz pour les mettre au travail, avec une grande ambiguïté dans ce que les nazis appelaient « Vernichtung durch Arbeit », l'extermination à travers le travail, c'est-à-dire faire travailler les juifs jusqu'à ce qu'ils meurent, ou de conserver la main-d'œuvre. Et cette tension-là, je ne vais pas vous répondre oui ou non, ça dépend des moments. À certains moments, les grands industriels, voire l'armée, disent « il faut garder de la main-d'œuvre ». À certains moments, ils disent « c'est bon, on peut lâcher du lest, vous pouvez en prendre tant ». Pourquoi est-ce que vous connaissez peut-être Monowitz plus qu'autre chose? Parce que Primo Levi. Primo Levi, si c'est un homme, ce grand témoin à Auschwitz, on le voit en fait faire l'aller-retour entre les différents camps et aller travailler à Auschwitz III. Donc c'est important parce que ce camp est aussi ça. C'est aussi un camp d'esclavage, une situation qui se retrouve dans l'ensemble de l'Europe. Le nazisme en Europe, c'est plus de 44 000 camps de concentration et de travail. Vous imaginez, donc à Auschwitz, c'est tout ça, c'est une sorte de précipité. De ce point de vue-là, dans le film,
Il y a deux moments où on en entend un peu parler. Il y a ce moment très allusif, comme le reste du film, où Rudolf Höss est à cheval, et on voit dans les hautes herbes des détenus juifs qui peut-être vont travailler, alors soit dans les carrières de pierre, soit à Monowitz, mais on les devine simplement. Et le deuxième moment, c'est cette réunion des industriels qui viennent discuter, pardonnez-moi, mais qui viennent parler cuisine et boutique pour savoir s'ils vont pouvoir faire plus de profit sur ce qu'ils fabriquent. Bon, ça, c'est le deuxième camp. Et puis le troisième camp, qui est peut-être le plus connu, c'est évidemment Auschwitz-Birkenau comme centre de mise à mort. Et alors le problème, c'est que quand on le voit comme ça, c'est en fait plusieurs camps dans le même camp. Et celui-là, Birkenau, c'est celui que peut-être vous connaissez le plus, c'est cette immense zone de 2,4 km où on a l'entrée ferroviaire qui est ici au sud-ouest. C'est, alors, je le dis volontairement parce qu'il y a encore 20 ans, c'est comme ça qu'on parlait, on disait c'est un camp d'extermination. Et c'est vrai que nos vocabulaires ont changé, parce que je vous l'ai dit, et je poursuis un peu ma démonstration, en réalité, on a appelé camp d'extermination des choses qui n'étaient même pas des camps. Et là, je fais un petit retour en arrière. La Shoah, la destruction des Juifs d'Europe, n'a pas commencé à Auschwitz. La Shoah a commencé par des unités de tuerie mobile, qu'on appelle les Einsatzgruppen, qui, au moment de l'invasion de l'Union soviétique, sur place, il n'y avait pas de camp. Il n'y avait pas de camp d'extermination, il n'y avait pas de centre de mise à mort. On avait des unités de tuerie mobile, qui ont été filmées par Michael Prazan, mis en livre par Christian Ingrao, qui arrivaient dans des villages ou des villes et fusillaient tous les Juifs sur place, dans des fosses. Le cas paradigmatique, c'est Kiev, Babi Yar, le fossé de Babi Yar, 29-30 septembre 1941, 33 771 juifs fusillés en deux jours. Et quand je dis juifs, je veux dire femmes, enfants, vieillards et hommes. Donc la Shoah, c'est aussi ça. Et il faudrait pas, enfin c'est pas un impératif moral, c'est que Auschwitz, telle qu'elle est montrée dans le film, nous montre cette destruction industrielle, cette mise à mort à l'abattoir. Mais cet abattoir, il a aussi été une destruction sauvage face à face dans des fosses, en Lettonie, en Lituanie, en Ukraine, en Biélorussie. Ensuite, à partir du moment où les nazis ont décidé que la solution finale de la question juive, dans leur terrible discours, « Endlösung der Judenfrage », était le meurtre, parce qu'au départ, ce n'était pas fixé. À partir de 1941, quand cette décision est prise, je ne reviens pas, c'est un débat très complexe et assez long à expliquer, si la solution finale, c'est l'assassinat, cette solution revient depuis l'Union soviétique et l'Est, dans votre sens, vers la Pologne occupée. Et là, c'est là qu'on voit l'émergence des centres de mise à mort. Donc, certains, vous ne les connaissez même pas, parce qu'à Auschwitz, ça a recouvert l'ensemble de ces mots-là, de ces noms-là, Treblinka, Majdanek, Chelmno, Sobibor. Tous ces camps-là ne sont pas des camps. Ce sont des centres de mise à mort, il n'y a rien. Il y a des rails, il y a une installation de gazage, il y a des crématoires. Treblinka, c'est 900 000 morts. C'est quasiment autant qu'à Auschwitz. Il y a eu 150 survivants. Donc c'est logique que vous ayez lu énormément de mémoires de Auschwitz, parce qu'il y a eu des survivants, je vais y revenir. Mais pour Treblinka, Chelmno et compagnie, personne n'a survécu. C'était des centres de mise à mort. Et ça, c'est la solution qui est appliquée aux Juifs polonais, que les nazis appellent l'action Reinhardt, et qui va trouver son funeste et terrible épanouissement dans l'année 1942. J'en arrive à Auschwitz. Ben, Auschwitz, encore une fois, c'est une synthèse de tout ça. Parce que là, ce que vous voyez sur le camp, vous avez en même temps un camp de prisonniers, en même temps un centre de mise à mort, et ce centre de mise à mort, c'est tout simplement les cas que vous voyez, qui sont les crématoires et les centres de gazage qui sont au fond du camp. Donc on a un centre de mise à mort derrière un immense camp de travail et d'enfermement sécuritaire. Ce camp-là, vous le voyez assez peu dans le film. On devine les crématoires, mais attention, ce ne sont pas les crématoires de Auschwitz-Birkenau, c'est le crématoire de Auschwitz 1 qui, au départ, en 1941, est d'abord utilisé pour brûler les cadavres des personnes tuées par le travail, des handicapés, des soi-disant handicapés mentaux, considérés comme handicapés par les nazis, et des prisonniers de guerre russes. C'est à ce moment-là que Auschwitz, dans toutes ses composantes, devient un camp d'extermination, si vous voulez le dire comme ça, puisqu'à Auschwitz 1, c'est quand même un camp en dur, un centre de mise à mort, et ça reste jusqu'au bout de la guerre, un camp de travail et un camp d'enfermement sécuritaire. Manière de dire quoi, une fois que je vous ai dit ça, c'est l'enfer sur Terre. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a dit ça, je veux dire, la raison a ses raisons, on le sait, mais c'est l'enfer sur Terre parce que vous avez continuellement toutes ces logiques à l'œuvre. Et récemment, il y a un très bon livre qui est sorti, qui s'appelle « L'album d'Auschwitz », publié par Tal Brutman et un collègue, et Christophe Kreutzmüller.
Et quand on voit ça, c'est pas du tout ça, Auschwitz. Ça, c'est les photos prises par les nazis pour faire croire qu'à Auschwitz, ça ressemble à ça. Notamment au moment de la dernière grande déportation, qui est celle des juifs hongrois, qui est le massacre le plus rapide et le plus drastique à l'échelle de l'Europe, puisque la Hongrie livre ses juifs très tard dans la guerre, mars-avril 1944, et ils sont déportés massivement à Auschwitz et exterminés à une cadence qui n'a jamais eu lieu jusqu'ici. Sauf que ça, évidemment, c'est de la propagande. On a ici le fameux tri, terrible tri, hein, entre les personnes utilisables pour le travail ou non. Et effectivement, le livre de Tal et de Christoph Kreutzmüller est bien parce qu'il remet aussi l'analyse de l'image. On est toujours, pour ce qui est de la photographie, on reçoit beaucoup d'images, mais souvent sans la capacité à les analyser pleinement. Et dans ce qui est le cas du nazisme, comme pour d'autres crimes, on se laisse prendre à la représentation voulue par les nazis. Donc il faut être extrêmement précautionneux par rapport à ça. Je m'en arrête là, puisqu'à mon avis, évidemment, le camp est le sujet du film, et on viendra peut-être au moment des questions sur cette question fondamentale. Dans un film comme cela, est-il possible de ne pas montrer les victimes juives ? C'est un film sur les bourreaux. Est-ce qu'on peut ne pas les montrer ? Alors, elles sont suggérées, j'y viendrai. Il y a des moments qui sont d'ailleurs, à mon avis, ça n'engage que moi, les moments les plus poétiques et les moments les plus poignants du film, notamment quand il y a cette poésie de Joseph Wolff, qui est joué au piano, et où là, on parle des victimes, mais ce n'est pas l'objectif de Glazer. Glazer veut faire un film sur les bourreaux, et ça nous amène, à mon deuxième point, vers une question épineuse, qui est l'ensemble des... Alors, pas des erreurs, mais l'ensemble des torsions qu'on peut faire subir à cette figure du bourreau, et qui nous amène finalement, parce que c'est une question centrale du XXe siècle, que le bourreau soit nazi, qu'il soit khmer, qu'il soit au bout du fusil pendant le génocide des Tutsis au Rwanda ou pendant le génocide arménien des Arméniens en 1915, il nous pose une question centrale du XXe siècle, tout bête, comment ça a été possible ? Et comment des gens ont pu faire ça ? Et je voudrais là vous emmener dans la deuxième partie de mon exposé, puisque c'est à mon avis le cœur du film, dans les différentes interprétations qui ont été données, des différentes réponses qui ont été données à cette question, et qui comportent toutes quelque chose qui peut nous intéresser et en même temps des profondes erreurs. Et le film, de ce point de vue-là, je le dis tout de suite, pour moi, est une éclatante réussite. Il a tenu une ligne d'équilibre entre les différentes, on va dire, torsions qu'on fait subir à cette image, à cette explication du bourreau. À partir de 1945, face, non pas à la découverte de la Shoah, j'en parlerai peut-être après, les gens savaient ce qui se passait. Tout le monde savait, les Allemands, les Européens. Ils ne savaient pas que c'était la Shoah telle que nous, on l'aperçoit. Ça, oui. Mais quand vous tuez 1 million de Juifs dans des fosses, dans des villes en Ukraine, tout le monde le sait. Quand le ghetto de Varsovie est vidé à partir du 22 juillet 1942 vers Treblinka, les gens le savent. Jan Karski prévient Roosevelt. Donc les gens savent quelque chose. Ce qu'ils ne savent pas, c'est l'ampleur du plan coordonné tel que nous le connaissons par l'histoire. Mais vous vous doutez bien que, peu importe, ça pose une question la même qu'aujourd'hui, comment ça a été possible ? Et se développe alors un ensemble d'analyses des bourreaux qui commence tout bêtement par les procès de Nuremberg. Pourquoi ? Parce qu'à Nuremberg, donc ce grand procès, qui n'est pas le seul, hein, il y a eu plein de procès qui se sont suivis, mais procès des plus grands responsables du génocide et de la guerre, des crimes de guerre, dont 11 vont être condamnés à mort, dans ce procès-là, il y a une équipe de psychologues. Vous avez les plus connus, donc Gilbert, qui est vraiment qui a beaucoup marqué, qui a été traduit en plusieurs langues, mais aussi ici Golden Zone, et vous pouvez les lire. Et en fait, ça va installer dans la pensée des gens, mais je vous avoue, c'était déjà avant Nuremberg, une analyse psychopathologique des bourreaux. Pourquoi ? C'est simple, c'est Hitler est fou, ou Hitler est drogué, ou Hitler, ce que vous voulez. Goebbels a un pied beau, il fait 1m56, 45 kg, Göring est morphinomane. On vous crée, en fait, et là, ça paraît trivial, mais en fait, cette historiographie-là, elle était dominante à l'époque. C'est-à-dire qu'on expliquait le crime par la déviance. Je le résume, nous n'avons rien à voir avec ça. C'est un problème de fou. Et nous sommes saints d'esprit. Alors, vous voyez, je surjoue, mais c'était vraiment comme ça. Et quand vous lisez l'historiographie de l'époque, moi je me souviens, la biographie de Goebbels de 1946 par Imre Gomay, première page, Goebbels n'aime pas les juifs parce qu'il a un pied beau. D'accord, donc ça veut dire que toutes les personnes en situation de handicap sont des nazis en puissance. Autre anecdote, Hitler a raté sa scolarité, si je la fais souvent en cours, celle-là, vous me la pardonnerez, mais Hitler a raté sa scolarité aux Beaux-Arts, donc il est nazi et antisémite.
Ok, si tous les étudiants, je suis désolé, vous êtes là, si tous les étudiants qui ratent leur première année de licence devenaient nazis, on serait mal, hein, parce qu'il y en aurait un petit paquet. Tout ça pour dire que qu'est-ce qu'on attend de ces interprétations-là ? On attend à être rassuré sur le fait qu'on est le camp du bien, on est le camp de la raison, que les Lumières, ce grand projet philosophique qui est au fondement de nos régimes politiques et de notre culture rationnelle, tout va bien, et qu'il y a un accident fou qui s'appelle le nazisme, voire, j'y reviendrai après, un accident fou qui s'appelle l'Allemagne, hein, mais ça c'est autre chose. Cette stratégie-là, elle est très visible dans le cas, évidemment, d'Hitler et des autres, mais elle est déjà visible dans le cas de Rudolf Höss, puisque Höss est interrogé par des psychologues à Nuremberg et livre par ailleurs, dès 46-47, avant son exécution, livre un témoignage qui s'appelle, qui est publié encore aujourd'hui, qui s'appelle « Le commandant d'Auschwitz parle ». Alors évidemment, comme tout témoignage, il est extrêmement soumis à caution, dans la mesure où parfois, eux se chargent lui-même, il en rajoute, parfois évidemment, il se déculpabilise. Mais ce qui est intéressant pour celles et ceux qui ont lu quelques livres, y compris ceux-là, c'est que très rapidement, un très grand écrivain français, mais c'est pas le seul, va se saisir du personnage, en l'occurrence Robert Merle, pour faire un roman qui s'appelle « La mort est mon métier », qui a popularisé un peu l'image de Rudolf Höss. Et je vous invite, on ne va pas faire un cours d'histoire en propre, ce serait un peu ennuyeux à cette heure-là, mais je vous superpose deux extraits très basiques. Dans le témoignage de Rudolf Höss, il nous explique que chez lui, son père lui a enseigné l'ordre, le respect de l'ordre. Dès mon enfance, on s'était forcé de développer en moi le sens du devoir. Je pense qu'en allemand, ça doit être Pflicht, hein, vraiment le service, le devoir. Chaque ordre de mes aînés devait être exécuté consciencieusement et d'une façon précise. À chaque membre de la famille était assignée une tâche définie. Je me souviens que mon père me tira un jour de mon sommeil parce que j'avais laissé traîner dans le jardin la couverture d'une selle de cheval au lieu de la mettre à sécher dans la sellerie, comme il me l'avait ordonné. Alors pour ceux qui aiment le cinéma, ça vous rappelle peut-être le ruban blanc de Michael Haneke. Là, on n'est pas dans de la psychopathologie. On est dans une, on est dans une stratégie de déculpabilisation de la part de eux, ce qui dit, moi, j'ai obéi aux ordres, on m'a appris ça quand j'étais petit, etc. Qu'en fait Robert Merle, quelques années plus tard, scène, donc là, évidemment, beaucoup plus dynamique, de dialogue, c'est le père qui parle, comme si, reprit-il avec passion, ce n'était pas assez de mes propres péchés, mais ce fardeau effroyable, il faut que tous dans cette maison, tous, il se mit brusquement à crier « Vous l'augmentiez tous les jours ». Il se leva, se mit à marcher dans la pièce et sa voix tremblait de rage. « Voilà que vous faites ce que vous faites pour moi. Vous m'enfoncez tous, vous m'enfoncez chaque jour, vous m'enfoncez davantage. » Il parle à son fils. « Il marcha sur moi, hors de lui, je le regardais, stupéfait. Il ne m'avait jamais battu jusque-là. À un pas de moi, il s'arrêta net. Il respira profondément, contourna ma chaise et se jeta au pied du crucifix. Je me levai mécaniquement. » Pour celles et ceux qui ont lu Robert Merle, on a toute une réflexion sur les punitions corporelles, la place du père, la place de la religion, et même cette image de diable que le père colle dans les toilettes de son fils pour l'apeurer. Et vous voyez que tout d'un coup, on rentre dans l'explication pathologique. Eux, ça fait ça parce qu'il a eu un papa méchant. Enfin, je caricature, mais c'est pas totalement ce que dit Robert Merle. Mais en fait, c'est une tentation. J'arrête là pour cette première sous-partie. Le film ne tombe pas là-dedans. Eux, ce n'est pas fou, eux, ce n'est pas pervers. Et ce que je trouve très bien fait, c'est qu'on ne retrouve pas cette image-là. Si vous avez lu Les Bienveillantes de Jonathan Little, prix Goncourt de 2005-6, qui était un roman, c'est mon avis, très réussi et un livre d'histoire catastrophique, c'est toujours mon avis, Jonathan Little installait son personnage de SS, Max Aue, comme étant le bourreau normal, tout ensuite, en 600 pages, lui collant toutes les perversions possibles et imaginables. On retombait dans cette historiographie de la déviance. Alors, vous voyez qu'il y a une tension sur cette question du respect de l'ordre, et à la suite de cette première configuration historiographique, de cette première explication, une deuxième est née. On est passé du bourreau, des bourreaux tous déviants, aux bourreaux tous banals, tous normaux. Comment ça s'est joué ? Il y a eu un événement fondamental que vous devinez certainement si vous connaissez un peu le sujet, ce qui est souvent le cas quand on est à Pessac. C'est tout simplement, en 1961, le procès extrêmement médiatisé du logisticien du génocide, j'ai nommé Adolf Eichmann, qui était le responsable dans la SS de la déportation des Juifs, notamment vers Auschwitz. Et Eichmann est capturé en Argentine, envoyé en Israël pour être jugé. Et ce grand procès de 1961 va être mis en livre par la très grande philosophe et politiste Hannah Arendt, qui observe
Eichmann, qui est pris de stupeur face à ce personnage fallot, médiocre, et qui en déduit sa théorie de la banalité du mal, que vous pensez tous connaître, je vais y revenir juste après. Et elle nous explique qu'en réalité, il n'y avait pas besoin d'être fou, complètement cintré, d'avoir des mœurs sexuelles ou familiales ou autres, complètement bizarres, pour expliquer le crime. Je finirai sur Arendt, hein, donc je la laisse là pour le coup. Cette théorie de la banalité du mal qui a été beaucoup tordue a lancé, si vous voulez, une autre manière de voir les bourreaux. On est passé du bourreau c'est surtout pas nous, à nous sommes tous des bourreaux potentiels. Alors évidemment, dans l'exagération, c'est-à-dire que le bourreau banal est devenu la banalité possible de chacun. Et alors, c'est pas, qu'on soit clair, moi je trouve que c'est pas inintéressant. C'est aussi l'époque de l'expérience de Milgram, de Stanley Milgram, dans les campus américains, où on demande à des gens d'électrocuter d'autres personnes qui sont des acteurs payés, donc qui mime l'électrocution, et Milgram en déduit une théorie de l'autorité en disant ben « Regardez, quand on leur dit de faire ça, ils le font. » J'y reviendrai aussi après, hein, l'expérience de Milgram a complètement été retournée ces dernières années. Toujours est-il qu'à cette faveur-là, va naître un autre regard sur ces bourreaux, notamment sur les bourreaux tout en bas, pas les grands commandants, ceux qu'on voit là dans le film, qui se baladent, qui souhaitent l'anniversaire, etc. Tous ces gens qui n'ont pas de nom, en tout cas pas quand on ne connaît pas spécifiquement tous les sous-fifres du génocide, et il y en a eu beaucoup. Vous voyez bien que quand on considère que plus de 100 000 personnes ont, c'est un chiffre, c'est un ordre de grandeur, 100 000 personnes ont activement participé à la mise en place du génocide côté nazi, il ne peut pas y avoir 100 000 fous, ça ne tient pas. Et on en est arrivé à, alors ce qu'on voit assez bien dans le film, c'est-à-dire... Voilà, les moments de la normalité, c'est-à-dire des gens, et c'est là où le film touche fort, j'y reviendrai, ça pourrait être nous, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de pathologie, dont on ne peut pas, à premier abord, voir cette pathologie. Les scènes du jardin, j'y reviens juste après, mais ça, c'est pas faux, en fait. Là, vous avez un album très connu, qui n'est pas l'album d'Auschwitz, dont je vous ai parlé auparavant, mais qui est la série photographique de Karl Höcker, qui est conservé au United States Holocaust Museum Memorial. Et quand vous voyez ça, d'ailleurs, on voit que ce n'est pas mal fait du tout du point de vue de la documentation. Rudolf Höss, enfin, je veux dire, l'acteur Christian Friedel se ressemble beaucoup. Mais voilà, sorti, si je n'aurais pas mis la légende en bas, est-ce que vous auriez directement dit « Bon, ces gens-là sont des salauds, des criminels, etc. » Ça nous rappelle d'ailleurs la première scène, hein, sur cette ouverture sur le lac qui, je fais un clin d'œil à François, rappelle un peu les Hommes le dimanche, c'est-à-dire un autre film allemand très important. Et donc, quand on voit ces photos-là, on retombe dans une espèce de stupeur. Cette stupeur, c'est de dire, mais alors s'ils n'étaient pas fous et s'ils sont complètement normaux, la possibilité du mal, si on veut regarder vers des catégories morales, est toujours présente. Alors, comme ce n'est pas commode, comme on n'a pas envie de regarder ça en face... Des théories, la psychopathologie est revenue par la petite porte. C'est notamment la théorie des individus clivés. C'est-à-dire, c'était un gros débat en Allemagne il y a 7-8 ans, quand les lettres de Himmler sont sorties. Les lettres de Heinrich Himmler, le chef de la SS, à sa femme. Et il y avait eu un grand article d'un spécialiste qui disait « Non, ce n'était pas une gespaltene Persönlichkeit, c'était pas une personnalité clivée, divisée. » Parce qu'effectivement, quand on lit ses lettres où il dit « ma chérie », même s'il trompe sa femme, encore une fois, si tous les gens qui trompent sa femme, bon, je reste là, hein, mais et il dit « j'aime ma fille, tout se passe bien », etc. Et on se dit « mais c'est pas possible, il est complètement clivé ». On revient sur la psychologie. Et en fait, moi, je vous le dis, ce qui est dur à comprendre quand on travaille sur le nazisme, etc., c'est que le clivage, il passe pas dans les gens, il passe entre les Aryens et les Juifs. Et ça, je vais en parler après, c'est-à-dire que le clivage, les nazis et les gens dont on parle ici étaient totalement des gens, encore une fois je force le trait pour le dire avec des termes moraux, étaient totalement des gens bien quand il s'agissait des Aryens et totalement les plus immondes criminels quand il s'agissait des Juifs. Et regarder cet antisémitisme en face et cette déshumanisation, excusez-moi, c'est ça qui est important, c'est-à-dire c'est le côté politique de la chose, pas le côté psychologique, même si encore une fois la psychologie nous donne des outils. J'avance vers ma conclusion. Tout ça nous amène vers une tentative de synthèse que le film, à mon goût, fait à merveille. Pourquoi ? Dans les deux explications que je vous ai citées, il y a un grand absent. Cette absence, c'est l'antisémitisme. C'est-à-dire que tout n'est pas motivé par l'idéologie, loin de là. Les gardiennes de camp, les gardiens de camp ne sont pas des gens qui ont eu une formation idéologique massive. Et d'ailleurs, le film évite cette question-là. Il y a peut-être quoi, trois phrases d'antisémitisme pur quand elle dit « si tu continues, je te transforme en cendre ». C'est tout.
le motif de la haine des Juifs n'est pas extrêmement présent dans le film. Or, effectivement, il constitue une condition nécessaire mais pas suffisante de tout ce qui s'est passé. Et évidemment, ce n'est pas qu'un problème allemand. Je le dis souvent pour résumer, parce que si on va trop loin, on oublie certaines choses. La Shoah n'est pas un projet européen. La Shoah est un projet nazi, mis en place par des nazis, des Allemands et des Européens. Et jamais ce projet n'aurait eu cette ampleur-là. Il aurait eu lieu, mais jamais il aurait eu cette ampleur-là s'il n'y avait pas eu des Maurice Papon à Bordeaux, des Bordelais pour donner des Juifs, des Ukrainiens pour donner des Juifs, des Polonais pour donner des Juifs, des Belges et des Roumains. Je dis les Roumains un peu comme ça, parce qu'en Roumanie, le génocide a eu une force telle que ça s'est passé quasiment indépendamment des nazis. Ils n'ont quasiment pas eu à intervenir. Donc vous voyez, cet antisémitisme-là qui n'est pas dit, il est la condition principale, première. Parce qu'il construit quoi ? Comme dans tous les génocides, il construit la déshumanisation de la victime. Préalablement. Vous prenez le génocide des Arméniens en 1915, par le pouvoir jeune turc, révolution de 1908, en réalité, ça fait déjà 40 ans que les Arméniens sont considérés comme des ennemis intérieurs. Abdul Hamid II, en 1894, il y a déjà 300 000 morts. Si vous prenez le cas du Rwanda, le pouvoir colonial divise les Hutus, les Tutsis, les Tuads en ethnies, etc., etc. Donc on a cette préparation, cette déshumanisation qui joue à plein et qui structure sur le long terme, du point de vue historique, la négation de l'autre et la déshumanisation de l'autre. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce qu'encore une fois, tous les gens que vous avez dans voilà, c'est ce qu'on appelle les simples soldats du génocide, toutes ces personnes qui n'étaient ni Himmler ni Heuss, ne sont pas toujours motivés par un antisémitisme extrêmement construit, extrêmement complotiste, extrêmement profond. Je réponds là parce que dans le film, c'est bien fait, la place de l'opportunisme. Quelle est la place de l'opportunisme tout en bas de l'échelle ou tout en haut de l'échelle ? Heuss est opportuniste. On voit que sa carrière lui importe énormément et que quand il est nommé, on voit bien que cette nomination en dehors d'Auschwitz, ça l'embête parce que d'un côté, il est promu, il essaie de faire comprendre ça à sa femme. Mais d'un autre côté, tout ce qu'il a investi d'efforts dans sa carrière, c'est compliqué. Et puis, il y a des scènes qui sont extrêmement bien faites. C'est ces scènes de corruption où il compte les billets comme ça. Et puis cette scène, alors là, je vous l'explique tout de suite parce que c'est des éléments, en tant que spécialiste, on les connaît. L'ouverture du film où sa femme porte un manteau de fourrure, je savais qu'elle allait parler de Brigitte Frank juste après, parce qu'en fait, Brigitte Frank, c'est la femme de Hans Frank. Hans Frank a été exécuté à Nuremberg, et Hans Frank, c'est la personne qui dirigeait cet état colonial à Cracovie, Varsovie, etc. Et c'était une des personnes les plus corrompues de l'occupation européenne. Pour l'histoire, il y avait un slogan, enfin, si vous voulez, une rumeur nazie qui disait « Im Westen liegt Frankreich, im Osten wird Frankreich », ce qui veut dire « À l'ouest, il y a la France, Frankreich, à l'est, Frank va devenir très très riche ». Et donc c'est vrai que là, on voit que ce pouvoir qui se veut, pouvoir d'ordre, pouvoir de assainissement, c'est ça la rhétorique nazie, c'est on va nettoyer les écuries d'Augias de la République de Weimar, etc., est en fait un pouvoir du début à la fin complètement corrompu. Pour l'anecdote, Hitler n'a jamais payé un sou d'impôt sur ses droits d'auteur de Mein Kampf, dont il a vendu 12,5 millions d'exemplaires. Donc c'est des gens qui truandaient tout en expliquant aux autres qu'ils allaient ramener l'ordre. Est-ce que ces gens-là ont fait tout ce qu'ils ont fait par opportunisme ? Ben, en fait, on se trompe, c'est pas qu'on se trompe en se posant cette question, c'est qu'on pense opportunisme comme opposition à l'idéologie et à l'antisémitisme. Mais vous pouvez très bien être antisémite et opportuniste. En fait, encore une fois, on est dans un cas de superposition des enjeux. Ils peuvent très bien détester les Juifs et vouloir en finir avec eux et travailler sur leur carrière. Et ce qui d'ailleurs, et c'est pas le plus mis en valeur, mais des gens comme Himmler, Göring et tout ça étaient des carriéristes pas possibles, des opportunistes au sens aussi politique, mais ça n'empêchait pas qu'ils suivaient leurs objectifs idéologiques. Dernier élément. Donc là, on les voit hein, ici, tous ces SS qu'on a vus l'année dernière dans la conférence, hein, le film de Matti Gaeschoneck, et dont on voit ces enjeux se connecter selon les différents personnages. Mais souvent, on a l'impression de dire, si c'est un opportuniste, en fait, il n'était peut-être pas antisémite. Ce n'est pas la question. Ça se surimpose, ça ne s'annule pas. Dernier élément qui, pour moi, et je termine sur cette image que vous avez sûrement dans l'œil, dernier élément, et c'est, pour moi, c'est la plus grande réussite du film, parce que c'est ce qu'a voulu dire Glaser, enfin je pense que c'est ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il dit en interview, c'est la place du travail, la place du quotidien, la place de notre capacité, dit l'acteur Christian Friedel, à se créer des auto-illusions.
Alors ça, c'est dit par l'acteur. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Je reviens, j'essaie de réaliser mes promesses, je reviens à Hannah Arendt. Hannah Arendt n'a jamais dit, relisez si vous avez le temps Eichmann à Jérusalem, ce que j'ai fait il y a une semaine, elle n'a jamais dit que le mal était banal. Elle n'a jamais dit que vous tous et toutes, vous pouviez du jour au lendemain devenir des bourreaux nazis, heureusement. Elle dit cette chose, elle dit Eichmann est un individu banal et en tout point, je paraphrase, extraordinaire, car il travaille sur cette banalité. Il a choisi de ne pas réfléchir, de ne pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est très important chez Arendt, c'est que c'est du coup pas du tout une stratégie de déculpabilisation. On a souvent accusé Arendt de rentrer dans le jeu de la défense de Eichmann. J'ai obéi aux ordres, j'ai obéi aux ordres. Et comme si elle était tombée dans le panneau. Elle n'est pas tombée dans le panneau. Elle dit ce qui frappe chez lui, c'est cette médiocrité morale extraordinaire. Elle n'est pas du tout banale. Et je pense, j'espère, personne ici n'en serait capable d'être suffisamment dans une telle médiocrité et dans un tel antisémitisme, de considérer que ces actions criminelles ne sont même pas des actions. Il n'y a pas à y réfléchir. Chez eux, on le voit absolument. Et c'est cette scène, les lycéens m'ont posé la question, cette scène où il vomit, qui est très importante. Il sort de la soirée, il appelle sa femme. Alors je vous avoue, il y a deux, trois petits détails que je n'ai pas aimés dans le film. Donc ce moment où il dit « je pensais à comment gazer la salle ». Bon, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on a besoin d'un truc comme ça dans ce film qui est merveilleux, qui est une mécanique de précision? Est-ce qu'on a besoin des gros sabots? Bon, moi j'ai pas aimé, vous faites ce que vous voulez, mais moi ça m'a pas convaincu. En revanche, il vomit. Et ça m'a rappelé, bon, c'est une recommandation cinématographique que je donne avec précaution, parce que c'est un film très dur, ça m'a rappelé une scène importante d'un film qui s'appelle L'acte de tuer, The Act of Killing, un documentaire sur le... Alors c'est pas considéré comme un génocide encore que, mais le crime de masse qui a eu lieu en Indonésie, et où le documentariste fait revenir les bourreaux qui sont encore vivants sur les scènes de leur crime. Et il y a cette scène où le bourreau, qui est... voyez le film si vous avez envie de le voir, se rend compte de ce qu'il a fait, il décrit les tortures qu'il a fait, et tout d'un coup il se dit « Ah mais ouais, c'était des êtres humains », et il se met à vomir. Et dans The Act of Killing, on est dans quelque chose de l'ordre de la rédemption. Quelque chose du bourreau qui enfin comprend que ses victimes étaient des humains, etc. Et donc je pense que les lycéens, c'est d'ailleurs ce qu'ils voulaient me dire, me disaient, mais il vomit, est-ce qu'il regrette? Cette question qu'on pose souvent, est-ce que Göring à Nuremberg, est-ce que Hans Frank à Nuremberg, etc. Sauf que pas du tout. Il a juste bu trop de champagne. Et c'est bien dit dans le film. Et ça, j'ai vraiment aimé ce que Glaser faisait, parce qu'il nous dit, non, il n'y a pas à attendre de rédemption. C'est une erreur historique de croire que ces gens-là peuvent rentrer dans la rédemption, ce que ne fait d'ailleurs pas trop Rudolf Höss dans ses mémoires, qui sont très compliquées. Non, tout simplement parce que, et c'est le propos du film, il a réduit son univers. Il a réduit son univers à une maison, il a réduit pour sa femme son univers à des plantes, à son travail, à sa famille, à bien travailler, à pas trop poser de questions. Et de ce point de vue-là, pourquoi je dis que ce film pour moi est une réussite, c'est qu'en même temps, il est un film historique quasi parfait. Il n'y a pas de perfection dans ce bas monde, mais tout est bien fait. Enfin, je veux dire, c'est le propos est bon, ce qui est avancé est précis historiquement. Et donc il nous parle de la Shoah, il fait un film sur la Shoah. Et en même temps, à travers tout ça, une histoire de haine et d'indifférence, il nous interroge sur notre capacité à fermer les écoutilles. Et de ce point de vue-là, c'est un film expérimental et artistique qui nous interroge sur quelque chose d'universel. Réussir à faire les deux, je m'arrête là et je dis juste bravo Jonathan Glaser. Alors, merci beaucoup, Nicolas. Évidemment, c'était passionnant, comme à chaque fois. Alors, il va y avoir un numéro qui va s'afficher. Voilà, il est juste derrière nous. Pour toutes les salles qui sont en direct, et notamment les deux autres salles de Pessac. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions ici, voilà, il y a une question tout de suite, j'arrive. N'hésitez pas à envoyer des questions sur SMS aussi. Et comme François est poli, je fais ma propre modération. On a... pas mal de temps, mais s'il vous plaît, des questions courtes, comme ça, tout le monde peut en poser. Et voilà, n'hésitez pas. Alors, juste avant que la question parte, pour étudier le film, on a travaillé avec un réalisateur qui s'appelle Pierre-Jean Delvolvé. Donc, il m'a beaucoup expliqué de choses sur l'aspect formel du film. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, je me métamorphose en spécialiste du cinéma, ce que je ne suis pas. Mais il m'a tellement appris que, voilà, si vous avez aussi des petites questions formelles, je peux vous expliquer comment le film a été tourné, le travail avec les acteurs, etc. C'est pas moi, hein, c'est Pierre-Jean et tous les gens avec qui j'ai discuté du film ces derniers jours, que je remercie. Oui, donc bonsoir et merci donc pour votre exposé, très intéressant. Il y a une chose qui m'interroge, c'est la femme de Höss.
parce que j'ai lu sur Wikipédia qu'en 1945, pendant un an, Rudolf Hauss s'était caché et que finalement, il a été découvert parce que c'est sa femme qui l'a dénoncé. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au propos de cette... de comment elle est représentée dans le film par rapport à ce que vous savez d'elle. Merci. Merci à vous. Alors, le deal, c'est que vous posez des questions courtes et que du coup, j'essaie de répondre de manière très synthétique comme ça, sinon c'est pas équitable. Le personnage de Sandra Hüller, il est exceptionnel. Elle voulait pas faire ce film. Elle a travaillé sur la corporalité, en fait. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais elle a incorporé, en fait, en même temps, quand elle reçoit sa mère, qui est un personnage très important, cette élévation sociale de fermière quoi, qui cultive son jardin et en même temps le poids de ce qu'elle veut pas voir. Ça, c'est pour le côté artistique. Et c'est vrai que les interviews de Sandra Hüller sont très impressionnantes parce qu'elle a vraiment pensé son jeu d'actrice et elle mène le film, elle l'amène. Alors, c'est très bien fait parce qu'en fait, cette question des femmes nazies au sens large, c'est-à-dire des femmes plus précisément dans la Shoah, est assez peu posée. Vous avez eu plusieurs livres récents, Wendy Lauer, Les Furies d'Hitler. Vous avez eu le livre d'Elissa Mailander sur les couples et les divorces sous le Troisième Reich. Alors, ça paraît un peu aride, mais c'est des questions fondamentales. C'est la vie quotidienne des gens. Et on est passé d'une historiographie qui montrait les femmes comme seulement victimes, quasiment pas actives dans le Troisième Reich, donc pourquoi pas, à un peu trop l'inverse, j'ai l'impression, c'est-à-dire les femmes systématiquement, forcément, des grandes nazies, prêtes au meurtre, etc. Et donc, on est un peu, comme d'habitude en histoire, dans des balanciers. Ce qu'on arrive difficilement à faire en tant qu'historien, c'est rentrer dans la famille, savoir en fait ce qui se jouait vraiment. Parce que tout simplement, il faut des sources. Alors évidemment, aujourd'hui, on a des groupes WhatsApp, ce qui sera la source incroyable du 21e siècle quand il faudra décoder des milliers de messages familiaux. Mais je plaisante, mais vous imaginez bien que ça n'existait pas. On n'a pas le groupe WhatsApp du 17e siècle ou du 18e siècle pour savoir ce qui se joue dans la structuration d'une famille et surtout d'une famille militante et d'une famille criminelle. Et de ce point de vue-là, pour les grands bourreaux qu'on connaît, c'est évident que leurs femmes ont eu un rôle énorme dans le fanatisme. Elles étaient elles-mêmes des nazis convaincus. Le cas paradigmatique, c'est Magda Goebbels, la femme de Goebbels, qui assassine ses 6 enfants à la fin de la guerre avec son mari parce qu'elle sait qu'Hitler va mourir. Donc là, on est vraiment enfin, dans l'horreur la plus complète. Mais on sait très bien que la femme d'Himmler... la femme de Göring ou d'autres, étaient des fanatiques convaincus du projet national-socialiste. Pour ce qui est de la femme de Hüss, en fait, il y a tout un tas d'informations et de rumeurs qui circulent sur est-ce qu'elle savait, est-ce qu'elle savait pas, est-ce qu'à un moment donné, Rudolf Hüss lui dit ou pas, et comme vous le dites, est-ce qu'à la fin, elle le donne. Et en fait, tous ces faits-là semblent avoir été beaucoup tordus par les témoignages de l'après-guerre. Déculpabilisation, stratégie de déculpabilisation. Il est évident, et pour le film c'est très bien fait, que même si elle ne veut pas voir, il lui suffit de monter au premier étage de sa maison et elle a tout sous le nez. En revanche, le fait d'avoir donné Rudolf Hüss, alors je ne peux pas répondre directement à votre question, mais moi ça ne me paraît pas du tout... ça nous paraît choquant parce qu'on se dit bon, mais évidemment il y a tout le suite de la guerre. Et il y a aussi l'emprisonnement, donc il y a beaucoup de familles emprisonnées. Hans Frank, par exemple, quand il est pris en Pologne, est enfermé pour Nuremberg, et il a des rapports extrêmement compliqués avec sa famille. Donc, en soi, moi, ça ne me choque pas. Par contre, voilà, il faut toujours prendre en compte que tout a été retravaillé par les témoignages de l'après-guerre. Et donc, il faut traiter vraiment ça avec des pincettes, surtout quand il s'agit du familial. C'est-à-dire qu'il y a des tentatives de transformer quels étaient notamment les niveaux de connaissance. Qui savait quoi ? Et la réalité, c'est que beaucoup de gens savaient beaucoup de choses. Voilà. Désolé, je ne peux pas vous répondre très précisément sur pourquoi elle l'a donné, mais en tout cas, pour le panorama de cette femme, c'est important. Elle joue un rôle majeur. Alors, déjà, beaucoup de questions des autres salles. Parmi les questions, bonjour, est-ce que vous pouvez revenir sur la figure de la petite fille qui cache des pommes ou des poires, car ce personnage reste très discret et les scènes entrecoupées dans le film. Merci. Alors, là, on arrive sur les questions un peu formelles. Et encore une fois, je n'aime pas dire que je sais faire des choses que je ne sais pas faire. Je ne suis pas spécialiste d'analyse cinématographique. Donc beaucoup de choses, c'est des discussions avec, si elle m'entend, Hélène Camarade, ma collègue de Bordeaux-Montaigne, avec Pierre-Jean Delvolvé. Ce film est un film expérimental. Quel film, dans les derniers que vous avez vus, commence par un monochrome noir de 4 minutes avec de la techno ? Il y a aussi beaucoup de questions sur ce monochrome voilà. noir. Un monochrome rouge, un monochrome blanc. Alors je vous avoue, on s'est beaucoup posé de questions. C'est de la sémiotique. Vous pouvez projeter toutes les hypothèses et vous êtes légitime à le faire. Moi, j'y vois... Alors, on discutait avec un collègue.
le noir, rouge, blanc du drapeau allemand. Bon, non, enfin du drapeau allemand d'avant 1918. Ça, à mon avis, c'est vraiment aller chercher du pinaillage. Certains y voyaient la logique d'une fable, les grandes couleurs des contes. Effectivement, évidemment, Cendrillon, le petit chaperon rouge, etc. Et vous êtes peut-être coutumier des analyses de Bruno Bettelheim, l'analyse psychanalytique des contes de fées. Il y a des choses très intéressantes qui sortent de tout ça. Moi, je reviens juste au fait que c'est un film expérimental qui filme tout de manière extrêmement précise. C'est vraiment l'inverse de ce que je disais du film de Laszlo Nemes. Laszlo Nemes, si vous l'avez vu, c'est « Tout est flou ». Il y a la caméra à l'épaule derrière ce membre des Sonderkommando et on ne voit rien. Là, on voit tout, mais on voit tout à distance et on a donc des dispositifs. La fin, c'est monochrome. Et puis, ces deux passages. Alors, quelqu'un m'a dit, mais ah, c'est en noir et blanc. Non, non, c'est pas en noir et blanc, c'est filmé à la caméra thermique. Et là, vous voyez, c'est là que je trouve ça incroyable. Quelqu'un me dit, un réalisateur des clips de Radiohead veut faire un film sur la Shoah avec de la caméra thermique. Je serais parti en courant, hein. Franchement, je vous le dis. Et là, en fait, il constitue un revers de tout ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que le film est d'une précision chirurgicale du point de vue historique. Et dans ces deux passages-là, on passe dans l'onirique complet. Alors, encore une fois, on est au niveau dans le rêve. On est au niveau de l'interprétation. Dans le premier passage à la caméra thermique, Rudolf Höss récite Hansel et Gretel à ses enfants. Alors, il y a la scène du lit, on voit la séparation entre les deux époux, même s'ils rient à un moment donné. Et donc là, moi, je le vois moins comme quelque chose d'historique en tant que tel que comme un pacte de lecture. Glaser nous accompagne en nous disant, attention, vous êtes aussi dans une performance artistique, dans un film expérimental, et donc, je vous emmène vers ça. Et dans le deuxième exemple, pour moi, c'est l'échappatoire, vers la résistance, vers cette jeune Polonaise qui va en fait traverser la caméra thermique pour revenir jouer du piano. Ce fameux passage poétique de Joseph Wolff, hein, qui est un passage écrit à Auschwitz, elle commence par mettre des pommes, des poires et des pommes sous les pelles des commandos de travail, etc., tout simplement par résistance, un acte de résistance qui aurait pu lui coûter la vie largement. Des actes bien moindres auraient pu lui coûter la vie, mais celui-là aussi. Et donc, c'est pas la nuit, on peut le croire, on peut croire ce qu'on veut. Je veux dire, c'est une œuvre artistique, vous pouvez projeter vos hypothèses, mais pour moi, c'est l'évocation de la résistance. Qu'elle soit polonaise ou juive d'ailleurs. Alors il se trouve qu'on sait que dans la maison, c'est dit à un moment donné, la domesticité est avant tout polonaise. Je crois que Madame Heuss dit oui, bon, les esclaves, la piétaille, etc. Et ça nous interroge évidemment sur les tierces personnes. Alors souvent dans l'historiographie, on dit bourreau, victime, témoin. Sauf qu'il n'y a pas que des témoins. Ces témoins, c'est aussi des gens qui ont donné des juifs, c'est aussi des gens qui ont collaboré, c'est aussi des gens qui ont sauvé des juifs. Donc aujourd'hui, cette catégorie des témoins, elle est très floue, elle est en train d'être beaucoup travaillée dans les recherches récentes. Toujours est-il que pour moi, ce passage-là, c'est ça. C'est la possibilité d'un ailleurs du camp, une possibilité d'un ailleurs de la villa Heuss et de cette figuration de la résistance. Une collègue me faisait dire aussi que c'est très bien fait historiquement, parce qu'on sait très bien qu'une grande partie des témoignages d'Auschwitz nous sont venus par ces enfouissements. Enfouir un poème, enfouir une partition... enfouir un petit journal, c'était le moyen, pour beaucoup de juifs qui savaient, quand ils arrivaient à Auschwitz, que c'était terminé, de survivre à tout ça par l'art, par le témoignage. Et donc c'est vrai que ces scènes-là, elles sont extrêmement ramassées, et elles nous interrogent, parce que tout d'un coup, elles nous sortent du récit chirurgical. Mais moi, j'y vois cet échappatoire de la résistance polonaise ou juive dans ces camps. Alors, une question de Perpignan, du cinéma castillais, Marlène. Bonsoir, passionnante conférence qui éclaire bien le film que nous venons de découvrir. Il y a une scène dans le film où une femme se présente dans le bureau de Hoss, se déchausse et détache ses cheveux. Qu'est-elle censée représenter? Je transmets la question. Mais toute question est légitime et celle-là, une fois que je vais répondre assez directement à ce qui se passe, est pas du tout illégitime. Il passe par un souterrain, on le voit vraiment. Alors, pareil, on peut l'interpréter d'un point de vue onirique, tout simplement parce que la gamme chromatique utilisée tout d'un coup change complètement. On n'est plus du tout dans ces gris, dans ces blancs, dans ces aplats de cette villa horriblement banale. On rentre dans quelque chose de l'ordre de l'enfer, hein, du passage dans les souterrains, et tout simplement, il rejoint son amante. Et on ne sait pas si elle est polonaise, juive, ou d'ailleurs, peu importe. Parce qu'évidemment, je vous l'ai dit, c'était des régimes extrêmement corrompus.
L'ordre économique, c'est une chose. L'ordre racial, c'est autre chose. Il y avait évidemment des lois qui interdisaient à tous les bons Allemands, et encore plus aux SS, de coucher avec les Juifs, puisque c'était ce que les nazis appelaient Rassenschande, une souillure raciale. Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils se sont empêchés de le faire? Puisque c'était... Voilà, encore une fois, on retrouve ce précipité d'idéologie quand ça les arrange. Et pour certains jusqu'au bout, mais d'autres. Donc c'est son amante, peu importe qu'il en ait eu plusieurs, beaucoup. C'est aussi une violence faite aux femmes liée à sa position de domination. Et dans le film, je trouve que... Alors bon, j'avoue, moi, c'est pas la scène qui m'a le plus emballé, parce que ça nous ramène une fois de plus à... Il est bizarre, il est pas comme... Mais comme quoi ? Comme le bon français ou la bonne française, qui est monogame, etc. Enfin, vous voyez, ça interroge un truc, soit que je trouve pas très intéressant. Mais en revanche, ça casse son image trop lisse de bon père de famille. Et ça, je trouve que finalement, c'est pas inintéressant, parce que Glazer nous emmène, en fait, dans cette famille parfaite, et puis casse cette représentation. Donc voilà, moi, j'y vois cette scène-là. Et par ailleurs, à mon avis, c'est aussi une référence à Amis, le roman dont je vous ai parlé, qui, lui, ne s'intéresse qu'à ça. Donc c'est aussi, à mon avis, Glazer paye ses dettes, quoi. Narrative. Oui, bonsoir. Je voudrais parler de la mère, la grand-mère, qui, au départ, quand elle arrive, trouve tout très beau, etc. Et peu à peu, il me semble qu'elle se rend compte un petit peu de ce qui se passe. Et est-ce qu'elle a des difficultés pour respirer? Alors, Oui, bien sûr, sûr. Et elle part parce que elle supporte pas cet environnement. Enfin, c'est l'impression, c'est ce que je pense moi-même. Je pense que c'est... Alors, tous les personnages sont importants dans ce film. Les enfants sont des personnages très importants. Mais la mère, on va l'appeler comme ça, c'est plus simple, la mère de Madame Euss, la grand-mère du coup. Cette mère est extrêmement importante parce qu'elle est récipiendaire. Elle figure trois choses. Elle figure d'abord... le qui savait quoi. Et cette question, elle est hyper importante. Alors, si vous voulez vraiment vous infliger un bon livre, mais de 600 pages, Peter Longerich, Nous ne savions pas, les Allemands et la Shoah. Je le répète parce que c'est un truc qui n'est encore pas passé dans le grand public, etc. Les Allemands étaient au courant. D'accord ? La Wehrmacht, c'est 18 millions de soldats, c'est 10 milliards de lettres, et ils écrivent en disant « Ce matin, on a pendu des Juifs, super, je t'envoie des photos ». Désolé de le dire comme ça, mais c'est ce qui se dit. Donc, les Allemands dans le Altreich savent ce qui se passe. Le problème, c'est que nous, on se dit, ils savent la Shoah, encore une fois. Comme s'ils connaissaient tout ce qui se passe à Babi Yar, ce qui se passe dans les camps de Sobibor, de Treblinka, ce qui se passe à Auschwitz. Et ce n'est pas le cas. Ils disent, il y a des massacres. Ils disent, nous faisons subir quelque chose de mauvais aux Juifs. Ils n'ont pas de vision d'ensemble. Et c'est dans une guerre où, vous le savez peut-être ou non, où il y a la découverte du charnier de Katyn en 1943, où 27 500 officiers polonais ont été menottés avec du barbelé par le NKVD, par les soviétiques, et fusillés d'une balle dans la tête. Donc on est dans un régime de vérité dans ces années-là qui fait que les gens savent, mais n'ont pas nécessairement envie de croire. Ou en tout cas, de savoir ce qu'ils savent déjà. La mère, de ce point de vue-là, est paradigmatique. Elle est exemplaire. Elle sait des choses. Dans le jardin, alors là, on retrouve ce dispositif. Il y a tout en très peu de scènes. La fierté pour sa fille, l'ascension sociale, qui est un grand moteur d'adhésion au national-socialisme. On dit opportunisme, mais le nazisme, comme l'Union soviétique, ont tenu aussi grâce à l'adhésion, parce qu'ils ont fait monter socialement des millions de personnes par le parti, par la SS, par le NKVD, etc. etc. Donc elle incorpore ce côté « Ah mais regarde, peut-être que madame... Mon... » C'est passé un peu vite, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais elle dit « Oh bah de l'autre côté, il y a peut-être madame Feldman, je crois. » C'était mon ancienne comment dire, je faisais les travaux pour elle, je faisais le ménage pour elle. Donc vous voyez, il y a tout ça, et en même temps... Elle n'a pas l'air de vraiment comprendre, ce qui, du point de vue purement logique, du point de vue purement géographique, est possible. Si elle est rentrée en voiture par le sud-ouest, sud-est du camp, elle n'a peut-être rien vu. Donc, d'une certaine manière, c'est un personnage métaphorique qui est ancré dans l'histoire, elle est réaliste, mais elle nous montre cette limite de savoir, ne pas savoir, croire à ce qu'on sait. Et évidemment, quand elle rentre au premier étage, elle voit. Et elle voit surtout le crématoire, alors qui en plus, dans le film, là, c'est vraiment du pinaillage. Souvent, il est très loin, en fait, au fond du camp, alors qu'en fait, il est juste à côté de la maison. Hein. En réalité, pour ceux qui ont visité Auschwitz, celles et ceux, il est tout à côté. Hein. Donc, c'est beaucoup plus près. Et là, elle se rend compte.
Et elle ne se rend pas compte. Encore une fois, ce n'est pas un personnage qui, tout d'un coup, va devenir, en termes moraux, bon ou mauvais. Elle s'en va parce que, tout simplement, elle ne peut pas supporter ça. Peut-être parce que c'est trop pour elle. Ça ne fait pas quelqu'un de philosémite. C'est juste que, ben, elle découvre ce que fait sa fille, ce que fait son beau-fils et ce que c'est. Et donc, il y a évidemment un jeu métaphorique. Elle laisse un mot qu'on ne voit pas et ce mot finit incinéré. Donc là, il y a évidemment un jeu sur l'incinération. Deuxième chose, enfin deuxième et troisième chose, vous dites, est-ce qu'elle étouffe ? Alors là, bon, moi j'avoue, c'est le seul petit bémol où je trouve que Glazer ne se rend pas service. Dès que sa femme ou sa mère regardent derrière, il y a le crématoire. Oui, ok, le crématoire, on l'a dans les témoignages, marchait très souvent. Mais est-ce qu'il a besoin, encore une fois, comme pour le cas des cendres qui dégoulinent dans le fleuve, de sortir les gros sabots? Alors là, c'est pas l'historien qui parle, c'est le spectateur. Pour moi, il avait même pas besoin de ça. Son propos est tellement fin qu'il avait même pas besoin de montrer le crématoire toujours. Bon, il le fait. Et de ce point de vue-là, la fumée qui existait vraiment devient la métaphore de la prise, de la découverte, de cette invasion de l'assassinat qu'on voit. Alors, cette scène n'est pas très claire. Les lycéens l'avaient pas tous compris. Quand eux se baignent avec son canoë, et voilà. En fait, c'est juste qu'ils sont en train de sortir les cendres d'Auschwitz qui passe dans le fleuve. Et c'est pour ça qu'il nettoie ensuite les enfants. Il y a ce rite de purification quand le meurtre tape à la porte. Ben pour la fumée, c'est pareil. Et donc j'ai envie de vous dire, du point de vue historique, peu importe qu'elle ait respiré ou non, ça devait être le cas, hein, les fumées, cette fumée est une métaphore de la prise de conscience et c'est pour ça qu'elle s'en va. Et donc d'une certaine manière, on a une figure de la résistance. Alors, pas au sens de la résistance active. En allemand, il y a deux termes. Widerstand, vraiment la résistance d'action. C'est-à-dire, on fait quelque chose contre le régime, et il y a ce qu'on a développé, les historiens et les historiennes, dans les années 80, resistance, l'immunité, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas être en mesure de faire un acte particulièrement valeureux, par exemple les gens qui ne font pas le salut nazi dans une grande foule qui le fait, ou les gens qui vont à Auschwitz, dans l'album d'Auschwitz, on voit des juifs qui tirent la langue. Ça paraît rien, mais c'est quand même quelque chose. Bah, pour cette femme, on a une ambiguïté. Elle est pas, ça ne veut pas dire qu'elle est philosémite ou rien, mais c'est quelqu'un qui se retire de tout ça. Et donc, elle est une clé. Hein. C'est un personnage qui est très, très important, alors qu'elle apparaît 4-5 minutes à l'écran. Elle est très importante. Donc, merci pour cette question. Oui, bonjour. Merci, Nicolas. Je suis tout au fond. Claire Kaiser. Alors, je voulais juste revenir sur... Ah, c'est affreux parce qu'on s'entend. Avec l'écho, bon, je vais essayer de passer outre. Je voulais juste revenir sur la question de ces images un petit peu étonnantes, et notamment quand le père raconte l'histoire de Hansel und Gretel, et quand Rudolf Höss, à la fin, crache ou vomit. Alors moi, j'ai une interprétation un tout petit peu différente, qui rejoint la tienne, mais en fait, je convoque une autre référence. Tu as le droit de dire que tu es spécialiste de cinéma et prof à Bordeaux-Montaigne. Hein. Ça aide voilà. Le propos. Et alors, je me demande si c'est une référence, mais je pense que oui, du réalisateur. Je pense à Allemagne, Mère Blafarde, qui a été réalisée en 1979 par Helma Zanders-Brahms. Et on a une séquence qui est très proche, où l'héroïne déambule dans un champ en neige. Et pendant un moment très long, on entend en voix off un conte des frères Grimm et elle s'arrête devant un crématoire. Et ça convoque un sentiment d'étrangeté, un peu comme on a cette histoire racontée avec la caméra thermique. Et qu'est-ce que ça nous suggère ? Ça suggère aussi que ce qui était quelque chose de très développé hein, dans les années 70-80 en Allemagne, c'est l'idée que la culture n'a pas empêché les Allemands de devenir des assassins. Et ça a été très thématisé. Et alors l'autre chose qui m'interpelle aussi, c'est ce vomissement de Rudolf Höss. Et pour moi, ça répond encore à une scène de ce film où, après-guerre, se pose la question de la culpabilité. Et il y a une scène assez étonnante et voilà, qui est sujette à interprétation. Et là, c'est vraiment de la sémiologie et chacun s'approprie sa propre interprétation. Une petite fille défèque sur le tapis d'un ancien, d'un ancien bourreau. Et lui va sortir un cigare. Et voilà, il y a cette idée que la fumée, finalement, le cigare, ça renvoie au miracle économique. Ça renvoie donc à quelque chose qui permettrait d'édulcorer la culpabilité.
Et donc finalement, cette odeur, cette trace, elle est gommée. Et ça m'a fait penser à ça parce que quand il vomit, en fait, la caméra fait un gros plan, s'approche sur l'escalier et il n'y a pas de trace. Donc c'est un peu cette idée que finalement, la souillure, elle n'est pas visible. Donc voilà, oui. Je convoque une autre référence pour la, finalement la même interprétation. Mais, alors je te réponds Claire. Donc Claire est une collègue de germanistique qui est spécialiste entre autres de Fassbinder. Donc quand même. Si tu veux, en termes d'intertextualité, donc, l'intertextualité c'est les références dans une œuvre, les références dites ou non dites, hein, implicites, dans une œuvre culturelle. Et en fait, en discutant avec une autre de nos collègues, Hélène Camarade, en fait, la conclusion était simple, il faut qu'on fasse 27 heures de séminaire à la fac, en projetant le film en boucle, pour sortir tout ce qu'il y a à en sortir. Donc je te remercie pour ce que tu dis. Je vous en donne une autre de cette intertextualité qui peut paraître évidente, mais qui en fait a vraiment comme une superposition de références. Cette dernière scène qu'on n'a pas évoquée, au même moment, où tout d'un coup, eux se regardent dans un œilleton et voient à Auschwitz aujourd'hui. Alors cette scène-là, moi je peux pas... Qu'est-ce que je peux en dire? Elle m'a complètement renversée. C'est une déchirure dans le pacte de lecture du film. Et on en discutait avec Pierre-Jean Delvolvé, c'est Kubrick. C'est-à-dire que si on ne voit pas Stanley Kubrick et 2001, l'Odyssée de l'espace là-dedans, donc comme on est tous les deux fans de Kubrick, on a discuté pendant plein de temps là-dessus, dans Kubrick, dans 2001, le protagoniste qui discute avec une intelligence artificielle pendant tout le film passe dans le futur et voit ça. Et Glazer a dit oui, c'est une référence à Stanley Kubrick, mais c'est pas que ça. C'est aussi la référence à tous ces films carcéraux, notamment d'Auschwitz et notamment au témoignage de Kurt Gerstein, qui est très connu pour le film de Costa Gavras, Amen, et ça c'est la discussion avec Hélène, qui dit « j'ai vu la chambre à gaz par cet œilleton-là ». Et il y a ce jeu. Donc tout ça, donc tu vois, ma réponse c'est « je te réponds pas vraiment, comme tout universitaire, j'évite la question », c'est-à-dire de, en fait, on peut continuer, parce qu'il y a beaucoup de choses. Les travelling latéraux sont aussi... Alors, tu vois, Glazer, il a fait des clips pour les Raconteurs, le groupe de Jack White, il a fait des trucs pour Radiohead, il a aussi sa propre intertextualité, il se cite lui-même. Donc il y a tout ça à décoder, et sur Grimm, effectivement, il y a un jeu là sur Hansel et Gretel qui joue là-dessus. Donc moi, tu vois, je te réponds juste merci hein, pour tes références, et je pense qu'on peut encore, ce film est tellement riche, on peut encore en découvrir beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent dans l'implicite aussi. Alors, trois questions groupées des autres salles. Vous avez bien dit qu'il y avait 44 000 camps d'extermination, c'est plutôt concentration. Deuxième question, quelles ont été les sanctions contre les entreprises qui ont employé des esclaves? Ont-elles indemnisé des victimes? Et troisième question, quel fut l'avenir des enfants de la famille de Husse? On a jusqu'à quelle heure? Voilà, bon. J'ai donné que trois questions sur l'ensemble sur de, de ce que j'ai non, mais reçu. C'est toi le chef, donc tu me dis, on peut se laisser... On peut petit peu de temps encore. Un petit peu de temps. Ça y est, j'ai oublié les questions. La première question, c'est sur le nombre de camps. Le nombre de camps. Tu confirmes... C'est pas du tout... Alors, sauf si ma langue a fourché, ce qui est possible, il n'y a pas du tout 44 000 camps d'extermination. Déjà parce qu'il n'y a pas de camps d'extermination. Il y a des centres de mise à mort, et qui sont Treblinka, Chelno, Majdanek, Belzec, Sobibor... Il y a à Auschwitz, et ensuite, il y a évidemment des tueries dans des sites à ciel ouvert. Bon, il y en a plein, hein. Rumbula, la forêt de Rumbula, vous avez le sud de Riga, Vilnius, etc., etc. 44 000, c'est les institutions carcérales de toutes les formes. C'est un grand projet mené par le United States Holocaust Museum Memorial, le mémorial du musée de l'Holocauste de Washington. Ils ont une encyclopédie des ghettos et des camps, et quand on voit la carte... Bah oui, on comprend mieux, parce que c'est pas juste cinq endroits. Il y avait des petits camps un peu partout, camps de travail, camps d'extermination par le travail, dans ce terme nazi, camps de concentration, etc., etc. Donc c'était ça le sens de 44 000. Il n'y a évidemment pas du tout 44 000 camps d'extermination. Ceci dit, bon, on est aussi là pour se documenter, pour ce qui est des Einsatzgruppen. Vous pouvez regarder sur le site de l'association du Père des Bois. Vous savez, Yad Inunum, qui a documenté tout ça. Des sites de tuerie des Einsatzgruppen, vous en avez encore des milliers. C'est-à-dire que dans chaque village, quand vous suivez la ligne de ces Einsatzgruppen en Ukraine, en Biélorussie, etc., et vers les Pays-Baltes, là, il y a encore des milliers de sites. Et l'ampleur de la Shoah, 6 millions de morts, n'aurait jamais été possible sans tout ça. Deuxième question, les firmes économiques. Alors là, j'en profite pour quand même rectifier des petites bêtises qu'on lit à droite à gauche souvent. Attention, spoiler.
c'est pas la haute finance et la haute banque qui a mis Hitler au pouvoir. Ouf, ça y est, c'est dit, je peux le répéter si vous voulez. C'est-à-dire que une certaine historiographie marxiste a dit « Bon, ben, c'est tout de la faute des grandes élites ». Ok, d'accord. Et comment les nazis obtiennent 37,3% en juillet 32 avec 13 millions de personnes allemandes qui votent pour eux? Tout ça, c'est la baguette magique de la banque allemande. Ça ne marche pas. Mais attention, ça ne veut pas du tout dire que le grand patronat allemand n'était pas d'accord avec les nazis. Ils n'aimaient pas le style politique. Tardivement, ils disent « ça peut le faire ». Et notamment, on a cette lettre de novembre 32 où les 12 plus grands patrons allemands signent pour imposer, enfin pour proposer à Hindenburg de mettre Hitler au pouvoir. Donc il y a une connivence, mais c'est pas ce qu'il faut éviter, c'est cette théorie de, du coup de baguette magique. Les banquiers ont dit donc les nazis. Bon, non, ça marche pas comme ça. En revanche, une fois que les nazis sont au pouvoir, le patronat est extrêmement content du résultat. Les syndicats sont supprimés le 2 mai 1933. Il n'y a plus les syndicats libres, il n'y a plus les syndicats catholiques. Et donc, un certain nombre d'industriels, Thyssen, Krupp, d'autres, Ligé-Farben, vont être très contents de travailler avec eux et de faire des profits en utilisant... Alors, il y a énormément d'entreprises. Hein. Typiquement, le ghetto de Varsovie, 450 000 juifs, c'était quasiment des industries à ciel ouvert où travaillaient des esclaves, parfois rémunérés. C'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, il y avait du travail forcé. Et évidemment, les nazis pensant tout du point de vue racial, il y avait... Parfois, il y avait Arbeitspflicht, donc obligation de travail pour les Slaves, et Arbeitszwang pour les Juifs. C'est-à-dire vraiment, c'est obligation aussi, mais c'est plus fort. Donc on a tout ça. Ces entreprises, comme pour tout ce qui a été le nazisme en 1945, il y a eu des actions, il y a eu des procès, elles ont été démantelées. Ligé-Farben, qui avait fusionné après la Première Guerre mondiale, qui avait fait fusionner AEG, Höchst, etc., ces grandes firmes électrochimiques, elle est démantelée. Le Konzern, le Trust est démantelé. Et vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas envoyé tout le monde en prison. Donc tous ces gens-là ont continué leur vie tranquillement. Alors là, il faut être précis. C'est-à-dire qu'en réalité, si on évalue la dénazification, ça a touché de manière assez large 140 000 personnes pour les procès dans les zones occidentales sur 8 millions de personnes qui avaient leur carte au parti nazi. Donc vous voyez, votre réponse, en fait, c'est oui, il y a eu des jugements. Mais pour que, vous le connaissez sûrement, pour que Beate Klarsfeld gifle Kissinger, le chancelier allemand qui était un ancien nazi en 68, c'est qu'il y avait un truc qui n'avait pas été fait. D'accord ? Et c'est valable pour les firmes aussi, puisque pendant la reconstruction, il y avait besoin des industries, des médecins, des avocats, qui étaient les professions les plus nazifiées. La France, c'est pareil. Hein. Il y a 0,3% des collabos qui ont été jugés parce que c'était des avocats, des médecins, des gens qui servaient, qui pouvaient servir dans la reconstruction. Donc il y a une symbolique du retour au pouvoir, une symbolique très violente d'ailleurs, la réinstitution de la peine de mort publique. La plupart des bourreaux nazis dans les pays de l'Est, je pense notamment à Prague, aux nazis qui étaient sur place, Karl Hermann Frank, il est garrotté en place publique avec autorisation pour les moins de 18 ans d'assister. Donc si vous voulez, on est dans l'ordre de... On montre ça, on réinstitue l'ordre en Europe avec violence. Friedrich Jeckeln, il est pendu à Riga, si je ne dis pas de bêtises, etc. Mais par contre, ça touche évidemment pas tout le monde. Ça touche pas les seconds couteaux. Donc il y a des procès ensuite qui vont suivre, mais qui laissent relativement épargner une bonne partie de ces criminels. Troisième question, les enfants. C'est très intéressant et c'est un débat très houleux en ce moment en Allemagne. Pourquoi ? Parce que les enfants que vous voyez à l'écran, qui jouent avec des dents, etc., aujourd'hui, ils ont 70 ans, 80 ans. Et en fait, on a eu... quasiment deux manières d'exprimer ça. On a le fils de Hans Frank, qui s'appelle Niklas Frank, et qui a fait un livre qui s'appelle Le Père, Der Vater. Alors j'avoue, quand je l'ai lu, j'étais genre, waouh, qu'est-ce qui se passe ? Vraiment, c'est 300 pages d'insultes en continu envers son père. En lui disant, non seulement t'étais un père catastrophique, mais t'étais antisémite. C'est-à-dire, là, on a vraiment la réaction épidermique de rejet. Comment t'as pu faire ça ? Et l'autre inverse, c'est la fille Himmler, Catherine Himmler, si je ne m'abuse, qui, elle, dit, qui est plutôt dans une stratégie « mais attention, c'était compliqué », un peu de déculpabilisation. Alors ensuite, on a tout l'entre-deux. Vous avez ce beau livre son prénom m'échappe, mais Angélique Schwartz, je pense, les amnésiques, sur cette femme qui raconte qu'en fait, elle découvre que sa famille, c'est des gens qui ont participé à l'arianisation des biens juifs, que c'est pas dit dans la famille. Donc en fait, pour tous ces enfants, il y a eu ce camailleux rejet, silence ou tentative de déculpabilisation. Mais en Allemagne, c'est un très très gros débat qui est
bien moindre en France. Hein. Souvent, les gens me disent, mais moi, mon grand-père était collabo, ou mon père était collabo, etc. Mais en Allemagne, c'est devenu un débat massif sur qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants qui étaient des enfants. C'est-à-dire qui, en fait, n'étaient pas en pleine possession ni de leur conscience, ni de leur capacité de réflexion, et qui ont grandi dans tout ça. C'est une question qui s'est beaucoup posée aussi pour les jeunesses hitlériennes. Quand le Reich s'écroule, il y a quand même des millions de membres des jeunesses hitlériennes de 8 ans jusqu'à 18 ans, en gros, et puis il y a l'équivalent pour les femmes. Et donc il y a tout un discours de « il faut les rééduquer à la démocratie ». Mais bah, tout ça, ça s'est incarné ensuite en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest, selon des mémoires très très différentes. Alors, quelques dernières questions. Justement, vous parliez de la réaction aujourd'hui à certains débats suscités par le film. Quelles ont été les réactions au film proprement dit en Allemagne ? Ça, c'est une question. Votre réaction personnelle par rapport à la fin du film et aux scènes où on voit des femmes nettoyer les pièces, etc. Alors, la première question, ça va être très simple. J'ai pas lu, donc je ne sais pas. Parce que la dernière fois, quand on a fait la conférence de Mathieu Guéchonnec l'année dernière, ce film très ardu sur la conférence de Wannsee, ce film a été vu par 7 millions d'Allemands. C'est-à-dire, il est sorti à la télé, 6 millions à la télévision, plus 1 million sur YouTube et compagnie, ça a été un engouement massif. J'avoue que pour la zone d'intérêt, j'ai lu beaucoup, beaucoup d'interviews en français, mais je me suis un peu protégé, j'ai pas encore tout lu, parce que je voulais garder un peu, c'est bête, hein, mais de fraîcheur dans mes réponses, et pas juste réciter. Donc bah, je vais voir quelle trajectoire il fait. Bon, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, hein. Le cinéma en Allemagne ne fonctionne pas du tout comme en France, il y a beaucoup moins de gens qui vont au cinéma, donc on verra bien. Et puis n'oubliez pas qu'en Allemagne, des films sur le nazisme, il y en a tous les 3 mois. Donc par exemple, le dernier énorme succès au cinéma, c'est Eris Widerda, il est de retour. C'est un film comique sur Hitler qui revient en 2012 dans l'Allemagne de l'époque, et il a déclenché beaucoup, beaucoup de discussions. Donc il faut toujours se méfier que pour nous, ce film-là, ça va être le film sur le nazisme, alors qu'en Allemagne, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sortent. Donc la réponse est, je ne sais pas, on va voir. Moi, sur la dernière scène, j'avoue, pour le coup, là, j'ai lu des analyses, donc ce moment où on passe à Auschwitz aujourd'hui. Alors je t'avoue, tout bêtement, ça m'a rappelé mes visites, j'en ai fait plusieurs à Auschwitz, et donc évidemment, on est saisi en fait, c'est les restes. Évidemment, ce qu'on voit quand on visite Auschwitz 1, les pavillons, les chaussures, etc., les portraits. Dans la presse, ils disent que c'est une manière pour Glaser de nous dire « attention, un saut dans le futur, la mémoire est fugace. Il faut, truc qu'on entend partout, accomplir de devoirs de mémoire. Bah, » Je te réponds de la même manière, je ne sais pas. Je l'ai vu en décembre et je ne sais toujours pas quoi penser de ce moment-là. Très kubrickien, complètement le saut dans le futur, de ce moment d'entretien. Alors pour la petite histoire, à Auschwitz, le lieu, c'est un lieu qui manque d'argent, beaucoup, pour les visites. Il y a eu, pendant le Covid, les visites internationales se sont arrêtées. Il y avait vraiment des problèmes d'argent énormes. Et à Auschwitz, moi, j'ai visité en 2006, seul, et puis en 2019, accompagné. Et le lieu avait complètement changé. C'est-à-dire qu'en 2006, j'étais tout seul, complètement. Et évidemment, si vous l'avez visité récemment, il y a énormément de monde. Et on peut débattre là-dessus. Mais peut-être qu'à Auschwitz, rempli de touristes, peu importe, polonais, russes, chinois, pakistanais, parce que c'est le cas, nous dit peut-être plus la vérité, s'il y en a une d'Auschwitz, que le camp tout vide, puisque c'est à ça que ça ressemblait. Donc ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que dans le film, je pense que voilà, il y a cette idée, il y a aussi, je pense, confronter Eus à ses actions. C'est-à-dire qu'en fait, il est dans son présent, dans ce clivage, etc. Enfin, pas dans ce clivage, mais dans ce refermement volontaire, dans cette médiocrité volontaire dit Arendt. Et tout d'un coup, on est projeté dans les conséquences de ces actes, conséquences matérielles, de la trace. Donc moi, je ne sais pas. Vous aurez plein d'objets de débat après, mais je ne sais pas comment interpréter ce passage-là. À Auschwitz aujourd'hui, est-ce qu'il y a toujours la maison de Eus ? Oui, bien sûr. Et comme elle est protégée au patrimoine mondial, Glaser n'a pas pu filmer dedans. Donc ça, j'en dis un petit mot. Hein. Le protocole du film, c'est un film qui est filmé sans caméra à l'épaule. Glaser a installé des caméras de surveillance, cachées ou non. Il y avait en permanence une quinzaine de caméras qui tournaient, donc c'est très particulier. Donc en fait, les acteurs le disent, actrices, acteurs, n'ont pas été dirigés au sens classique du terme. Ils n'avaient personne en face d'eux. Ils n'avaient pas de caméra visible. Alors parfois, elles étaient visibles, et donc l'editing du film, le travail sur le film après coup, a été énorme, parce qu'il a fallu effacer numériquement, digitalement, les caméras qui étaient visibles dans les autres angles des autres caméras. Vous me suivez ? Et donc en fait, alors Glaser a des mots là-dessus, il dit c'est un peu Big Brother à Auschwitz. Donc moi j'aime pas ce genre de truc, mais bon, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en gros, il met ses acteurs
dans la vie quotidienne, dans performer comme des comédiens de théâtre, performer cette vie banale. Et donc, de ce point de vue-là, bah, installer ce système de caméra-là dans la vraie vie-là, c'est pas possible quand c'est un lieu de mémoire, etc. Donc, il a tout reconstruit, et je trouve que ça donne cet aspect très stuc, quoi. On sort avec ces grands aplats de torchis, là. Enfin, c'est pas du torchis, j'ai oublié le terme technique, mais et ça marque quand même, donc ça a pas été tourné à cet endroit-là. En revanche, vous avez peut-être maintenu votre attention jusqu'au bout, et vu que dans le consulting du film, on a que des Polonais, il a vraiment recouru à toutes les équipes sur place, les historiens, les conseillers historiques, les membres du musée d'Auschwitz, donc il s'est vraiment plongé là-dedans, vraiment en profondeur, mais pas sur le lieu même. Un grand merci, Nicolas Patin. Merci. Merci beaucoup.